Zelda Breath of the Wild ne fera pas partie du lancement de la prochaine console de Nintendo, la Switch. D'après les rumeurs, et dis-je, les rumeurs de Emily Rogers et Eurogamer, semblerait-il que Nintendo ne sont pas prêts, tout simplement pas prêts à sortir le jeu encore, car il reste beaucoup, beaucoup de choses à peaufiner. Étant un gros jeu Nintendo, vu que ce soit un jeu qui va avoir aucune lacune, que ça va être un jeu facile à jouer, qui aura pas de glitch, comme qu'on pourrait dire en parenthèse. Donc, semblerait-il que Nintendo n'ont pas l'intention de sortir Breath of the Wild en mars 2017 pour leur prochaine console. La question est, quels sont les gros noms qui vont sortir? Quels sont les gros titres qui vont être disponibles avec la Nintendo Switch, anciennement la NX, hein, pour les gens qui l'appellent encore la NX, comme moi d'ailleurs parfois. Y a des gens qui pensent que ça pourrait peut-être être un Mario Bros, oui bien sûr, comme pas mal toutes les consoles, c'est un Mario qu'on a en premier, puis je pense que les gens aiment bien Mario, mais on aimerait bien voir un Zelda que ça fait plus de 3 ans qu'on attend, qui était supposément être sorti pour la Wii U, mais maintenant semblerait-il que ça va être sur la Switch. Semblerait-il qu'en ce moment, des tests ont été faits et que le jeu fonctionnerait et semblerait être beaucoup plus fluide sur la Nintendo Switch que sur la Wii U, car faut-il croire que même s'ils ne font plus la production de la Wii U, Nintendo font quand même des tests, peut-être pour les gens qui n'ont pas l'intention de se procurer la console Switch au mois de mars 2017. Alors, selon les sources de Gameblog.fr, je vous cite un de leurs paragraphes. Emily Rogers explique avoir entendu de premiers bruits au sujet de la localisation du jeu dès septembre dernier. Selon ses sources, cette tâche représentait plus de travail que ce à quoi s'attendait Nintendo. En octobre dernier, de nouvelles informations au sujet de la localisation problématique de ce nouveau Zelda ont été transmises à Emily Rogers. Une de ses sources allant même jusqu'à déclarer qu'il s'agit d'un jeu très, peut-être trop ambitieux. Comme je dis, je prends un paragraphe du site internet gameblog.fr. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours aller voir ce blog-là pour lire le texte en entier. Donc, est-ce que je suis surpris d'apprendre ça, moi, personnellement? Non, je crois que Nintendo, c'est des gens qui sont très, très minutieux. Ils nous ont toujours livré de la belle marchandise, ils nous ont toujours livré de bons jeux. Et si on prend bien soin de regarder, on a eu rarement besoin de faire des updates sur la Wii U pour les jeux que Nintendo sortis. Les seuls updates qu'on avait à faire, si c'était plus des patchs à rajouter, exemple, comme des personnages dans Smash Bros. Et plus j'en passe. Donc, je pense que Nintendo, oui, c'est un projet qui est très ambitieux. La raison pourquoi ça fait plusieurs années qu'on attend. Est-ce qu'on devrait peut-être les blâmer de nous avoir mis l'eau à la bouche aussitôt? Non, moi je pense que non. Je pense que c'est rare qu'on attend si longtemps pour des jeux depuis des années. Normalement, quand on commence à voir des bandes-annonces ou on commence à en entendre parler, ça vient quand même assez vite. Fait que je pense que ce jeu-là, c'est quand même une bonne manière de brander, entre parenthèses, ce jeu-là. Fait que moi, je suis neutre à ça, je suis pas choqué, je comprends ça. Il y a quand même la nouvelle console qui arrive en 2017. On verra c'est quoi les titres qui vont sortir avec. Il y a beaucoup de spéculations, comme quoi ça pourrait être. Il y a beaucoup de gens qui spéculent, ça pourrait être un Mario Bros, un Mario Kart. On n'a toujours pas eu de nouvelles si Nintendo on travaille sur un nouveau Metroid ou Mega Man, mais bon, reste à voir. Donc, Zelda Breath of the Wild, des rumeurs qui seraient pas disponibles au lancement de la nouvelle console de Nintendo Switch. Donc, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez hâte de jouer? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Êtes-vous surpris d'entendre ça? Il faut pas s'en faire. Je pense que Nintendo vont nous offrir un jeu qui, semblerait-il, d'après plusieurs blogueurs, va être un des meilleurs jeux de tous les temps. Mon nom est NostalJohn. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et j'espère avoir de vos nouvelles et de vos opinions face à cette nouvelle rumeur. Salut!